On dit bonjour Belgique. Bonjour Belgique. C'est littéralement à l'intérieur de la métropole d'Abidjan que l'on trouve la forêt de Bonko. Ce parc national d'environ 3500 hectares de forêt tropicale est complètement entouré par la ville, ce qui en fait sa particularité. Bonko est souvent nommé le poumon vert d'Abidjan. On y trouve des espèces d'arbres devenus rares, telles que acajou ou avoderier. Plusieurs structures internes existent, telles que l'école forestière, l'arboretum ou le village originaire d'avant la création du parc national. Bonko est d'abord le nom de la rivière qui traverse la forêt et autour de laquelle Abidjan s'est construit. Des pistes pour les promeneurs y sont désignées, mais Bonko reste un exemple de forêt primaire. Et avec un peu de chance, on peut y croiser des chimpanzés, des crocodiles nains, d'autres singes ou des touracos bleus. Oiseaux que l'on retrouve d'ailleurs sur les billets de 10 000 francs CFA, monnaie utilisée un peu partout en Afrique de l'Ouest. Mais vous inquiétez pas si vous n'êtes pas chanceux, car les petites bestioles ne sont pas moins étonnantes. Et si vous préférez le végétal, les arbres de Bonko vous font se sentir tout petit. C'est sûrement le seul endroit au monde où l'on puisse vivre l'expérience d'une forêt tropicale si près d'une grande ville. Alors si vous êtes à Abidjan, n'hésitez pas et plongez-vous dedans.